Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo mythique d'un bel objet, de quelque chose, d'une relique du passé, si je puis dire, illustrant à toutes fins utiles le savoir-faire français. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est reparti sur la présentation d'un fusil à pompe. Voilà. C'est le fusil à pompe, le célèbre Rapide 12 de la Manufrance. Donc Manufrance qui était une entreprise française qui était donc basée à Saint-Étienne et qui a fait de très belles créations. On retrouvera notamment le fusil idéal, créé par la Manu, reconnu par les chasseurs. On reconnaîtra également le célèbre fusil Perfex. Alors certains en disent du bien, d'autres du mal, c'est comme tout, mais quoi qu'il en soit, le Perfex, c'est, comment vous dire, ça fait partie de ces choses incontournables. Et on a le très célèbre Rapide 12 de la Manufrance dont on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui je crois qu'on est en 2019. Il me semble que rapide, il existe des nouveaux fusils rapides qui sont commercialisés sur le marché, des fusils à pompe rapides fabriqués par Manuchas en Turquie. Je crois avoir vu un camarade youtubeur français que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Y Hydrales. Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne, d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est très intéressant et des choses y sont traitées avec une pointe d'humour, c'est moi j'aime beaucoup. Donc j'avais vu ce camarade présenter, il me semble, un Manuchas, un rapide Manuchas. Celui-ci, c'est bien le rapide Manufrance, le tout premier, l'original, l'authentique. Donc c'est un fusil qui a été commercialisé à partir de 1958 et il a été commercialisé jusqu'en 1985. Il existe en différentes longueurs de canon. On peut le trouver en déclinaison avec un canon de 48 cm, 66 cm, 70 cm et 76 cm. Avant toute chose, on va vérifier que l'arme est vide. Alors oui, il est tellement léger que je peux facilement, là, je suis pas forcément bien placé, assis sur une chaise comme ça, je suis pas forcément bien placé pour manipuler une arme longue. Mais là, en l'occurrence, ça ne pose aucun problème parce qu'il est tellement léger et tellement maniable qu'il n'y a pas de souci. Donc on regarde dans la chambre. Comme je suis un tireur inconscient, on s'aperçoit bien sûr qu'une munition est chambrée. Non, je déconne, blague, humour. On s'aperçoit bien sûr que rien n'est dans la chambre. On ramène la pompe en avant. On regarde à l'intérieur du magasin. On voit qu'il n'y a rien du tout. Contrôle visuel et tactile de la chambre. Afin de s'assurer qu'aucune munition n'est chambrée. Il n'y a rien du tout. On percute. Et voilà. Donc, ce fusil, il est mythique. Il est surtout reconnu par les chasseurs. Les chasseurs en sont de fin. Surtout des anciens chasseurs en étaient vraiment très satisfaits. Certains disent même que, selon eux, ils étaient plus rapides avec ce fusil à la chasse qu'avec un Perfex. Bon, pourquoi pas? Moi personnellement, je n'ai pas d'expérience en tant que chasseur avec cette arme, je ne connais pas. Donc ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Voilà. C'était un fusil qui coûtait pas très cher, qu'on pouvait trouver quand même à bon prix. C'était typiquement le genre de fusil qu'on pouvait acheter à Leclerc, à Carrefour, à Casino, dans des magasins où on y vendait des armes. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette arme? C'est un fusil qui est en 5 coups. Donc, 4 munitions dans le magasin ici et une munition ici dans la chambre. D'accord? Il existe deux déclinaisons de ce fusil. Il y a le rapide classique et le rapide magnum. Celui-ci est un rapide classique, ça signifie que on chambre des munitions en 12-70 à l'intérieur, maximum. Voilà. On a sur ce fusil un grain d'orge absolument que je trouve absolument remarquable. Regardez-moi ce grain d'orge. Alors pour certains, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Regardez-moi ce très proéminent. Donc ça, pour faire du tir au jugé, ça pour faire du tir au jugé, c'est vraiment le top du top. Personnellement, il est probable que si je n'avais pas moi de déjà de calibre 12, il est probable que j'aurais peut-être gratté une détention pour avoir ce type d'objet. Parce que vraiment, ça, c'est vraiment nickel. Moi, je trouve que sur ce fusil, ils ont copié très fortement Winchester. Ils ont très très fortement copié Winchester, notamment le 1300 Defender. J'en ai présenté sur ma chaîne. Voilà, il suffit de. Ceux qui sont vraiment curieux de ce genre d'objet, vous pouvez aller voir. C'est vraiment, c'est curieux en termes de la forme, en termes de. Même au niveau de la pompe en bois. Bon, y a plein de marques qui ont fait ça. Remington aussi, on fait des pompes comme ça. Mais ça me fait vraiment penser à un Remington 1300 Defender. Même au niveau de la texture du bois, de la pompe, moi, ça me fait carrément penser à un 1300 Defender. Voilà. La grande différence, si on veut vraiment être perfectionniste, c'est ces deux chevilles, ces deux goupilles là, au niveau du mécanisme, pour démonter le mécanisme, alors que sur le 1300 Defender, il n'y en a que une. Il n'y a qu'une goupille qui se trouve ici. Et là, vous avez deux goupilles à démonter, comme sur le Remington 870. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on a une crosse en bois. Je vais quand même vous le montrer de tous les côtés, ce fusil, parce que. On parle, mais. Hein? Regardez-moi cette jolie bête. Il est magnifique. Il est magnifique. Comme ça. Alors ça, malheureusement, actuellement les stands de tir sont fermés, ce qui est bien dommage. Je me serais fait un vrai plaisir d'essayer d'amener ça au stand et de faire quelques tirs avec. Ça aurait été vraiment sympa. Donc celui-ci a un canon de 48 cm. Alors, il a quand même un défaut, ce fusil. Si jamais il y avait un représentant de Manu France qui passait par là sur cette vidéo, excusez-moi, expliquez-moi cette merde. Alors, je vais vous montrer. Lorsque vous avez votre arme chambrée, voilà. Donc là, on va dire que vous avez une munition chambrée. Comme sur tous les fusils à pompe, vous ne pouvez pas bouger la culasse. D'accord? Jusqu'à là, c'est normal. Vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Sauf que, bordel de merde! La majorité des marques, comme par exemple Winchester, ils ont mis un petit bouton à l'arrière pour déchambrer. C'est-à-dire que vous avez là à l'arrière un petit bouton quand vous appuyez dessus et après vous manœuvrez votre culasse et ça fait bouger la culasse. À quel moment, si vous êtes si un représentant de Manu France passait par là, à quel moment, les gars, vous avez trouvé judicieux de mettre le bouton permettant de manœuvrer la culasse ici. À quel moment c'est pratique d'avoir ce bouton-là? À aucun moment. Aucun. Ce qui veut dire que lors des tirs, ça vous oblige à avoir le doigt appuyé ici
pour pouvoir manœuvrer la pompe. Faut vous appuyez ici et vous manœuvrez. Alors, sur un point de vue tactique, c'est vraiment de la merde. Franchement, c'est le seul défaut de cette arme, selon moi. C'est clairement le seul défaut de cette arme. Hormis ce petit problème, ça reste quelque chose de super. Ça reste quelque chose vraiment de mythique et je voulais absolument vous le présenter parce que des rapides, il y en a beaucoup qui ont été construits et puis au fur et à mesure des législations que vous connaissez, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, un bon paquet ont été détruits et un jour viendra où ce sera sans doute, on passera d'un objet qui avait été ce qu'on appelle un fusil du pauvre à une pièce de musée. Qui sera enfermé dans un musée, et neutralisé, enfermé dans un musée, gardé par une cinquantaine de vigiles, eux-mêmes lourdement armés. Donc sinon, on a aussi, oui, je ne vous en ai pas parlé, mais les petites grenadières, ici. Voilà. Le démontage, bah, c'est toujours la même chose, hein. On tourne cette petite pièce, tac 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 tac. On retire le canon. Là, vous tapez, vous prenez un homme, je les appelle non. Vous faites péter les chevilles ici. Voilà, vous aurez compris de quoi je parle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Démontage assez, somme toute assez sommaire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce fusil? Pas grand-chose. C'était pour moi un véritable honneur de présenter ce genre d'engin. Bien évidemment, le canon, il est lisse, j'ai oublié de le préciser, mais quand même, ça me semble être totalement logique. On est sur un fusil qui est extrêmement léger, je crois qu'il fait 2,7 kg. Voilà. Possibilité également, je ne l'ai pas précisé, mais possibilité de monter un Picatinny ou quelque chose comme ça, pour pouvoir mettre une optique de visée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, c'était un honneur de pouvoir vous la présenter. Très franchement. Je vous souhaite une très très bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir.